Voici l'histoire de la Société de l'Amicale des pompiers de Moran, décrite récemment par notre cher collègue Louis Yerly. Cette amicale serait née dès les années 1970, selon Édouard Bourgeot, qui était alors commandant des sapeurs-pompiers en tant que capitaine. Louis Yerly raconte que c'est en automne 1972 qu'il rentre à l'amicale. Et à cette époque, le père Martial Motta informait de l'existence de l'amicale et que pratiquement tous les sapeurs-pompiers devaient s'y inscrire. Martial assurait à ce moment-là la présidence, le secrétaire et même la caisse. Une idée a germé faisant suite à de grandes discussions d'après les exercices des sapeurs-pompiers. C'était de souhaiter la bonne année aux habitants avec une soupe aux pois offerte à la population et une distribution prévue via une cuisine militaire mobile qui avait été louée à cet effet. C'était dans les années 1980, la soupe était prête et dans l'après-midi du 1er janvier, la météo était épouvantable avec un vent violent et une pluie battante. Il fallait alors trouver une autre solution que celle prévue initialement. Heureusement, Jacques Guignard possédait un porte-voix. C'est avec ce moyen-là que l'amicale avait parcouru les rues du village pour informer que leur futur rendez-vous était désormais à la buvette de la grande salle. C'est ainsi qu'est née la soupe aux pois du 1er janvier à Moran. Cette nouvelle activité a réveillé l'envie de structurer cette amicale. C'est ainsi que les premiers statuts ont été établis par le notaire et cher collègue Michel Mouquin. Cette structure, enfin mise en place dès 1984, permettait à l'amicale d'adhérer à l'Union des sociétés locales et de participer ainsi aux diverses activités du village de Moran. Mais voyons plutôt quelles sont ces activités qui, depuis 1984, animent régulièrement notre village, ceci tout au long de chaque année par une multitude de manifestations diverses, variées et qualitatives. Thank you.
Je vous enregistre là. Il n'y a pas trop de conneries. Ah ouais, il y a pas la parole. Il y a la caméra, il y a tout. Il y a pas la parole. Bonjour. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it up. Donc il a dû prendre une sacrée pétée sur la hanche là. C'est important quand même. Pas du tout. C'est vous qui savez hein. On va laisser ça plier, je sais pas si. Départ d'Arzinay, 8h30. Regarde ça, je vois le chef. Regarde ça, c'est beau. Il est sûr de lui, hein, quand même. C'est un métier, hein, Super Mario. C'est un métier, hein. Ben, alors l'expression, qu'est-ce qui se passe? Ça va aller pas mal. Ça va aller pas mal. C'est sûr, ça. Professionnel. T'es sûr de toi? C'est cool les professionnels, l'assurance qu'ils ont. Je fais des films, parce que c'est intéressant de voir les travailleurs, les vrais. Il est quelle heure du matin? Il est quelle heure du matin? Je sais pas, non. Le vrai quart, c'est pas mal. Le vrai quart. 9h10. Parfait les gars. T'es content de toi? Ouais, ouais. Tiens. Et vous, il a réussi à brûler la montagne. Qui? Bonjour. Comment? Vous êtes heureux de votre job? Ça vous convient? Oh, ouais. Géré. On est comme au Chili. C'est ça mon poste. Bon temps. Et vous le chef, tout va bien? Oh ouais, ça va bien. Oui. Ah, en fait, tu dis pas que tu vois ça.
Il est 9h30, donc il bave du blanc. C'est ça, c'est costaud. Santé. Santé. I
pleine nuit une sirène appelle au feu tous les pompiers et tout Rio qui se réveille voit brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a... Ah ouais?